Salut les petites biches, c'est pas beau à voir, hein. C'est pas très beau à entendre non plus. Vous l'aurez compris grâce au titre, je suis malade comme un chien. On est rentré le 27 après presque 2 semaines en Belgique. Dès que je suis arrivée chez moi, j'ai senti que j'avais mal à la gorge et bon, je sais bien que mon corps fonctionne comme ça. Tant que je fonctionne à 200%, que je suis occupée, que j'ai plein de choses à faire, y a pas de problème. Mais dès que je relâche la pression, je tombe malade. Je ne suis plus habituée au temps belge, je dois bien le dire. J'ai eu plutôt froid en Belgique parce que l'humidité, en fait, donne beaucoup plus froid qu'ici. Et puis quand on est revenu ici, il faisait moins 5, donc il n'y a rien à faire. Ça caille. Soit. On n'est pas là pour analyser ma santé ni la météo. Voilà, comme d'habitude, je dégage mon visage avec un serre-tête et je vais commencer par me rafraîchir le visage avec ce tonique lacté illuminateur de ce body shop qui est au ginseng et au riz. Et qui a une odeur un peu forte, un peu piquante, je dirais, un peu comme du gingembre. Je ne sais pas ce que sont le ginseng, je ne sais pas si ça sent un peu comme le gingembre de base. Moi, ça me fait penser à du gingembre. Et c'est vrai que c'est une lotion, un tonique que je trouve revitalisant. Peut-être aussi de par son odeur. Les odeurs ont un fort effet sur moi. Par contre, je vais éviter la zone en dessous du nez parce que comme vous le voyez, je suis bien irritée. Voilà, la catastrophe quoi. En 3 jours, je suis au fond du trou. Ensuite, je vais passer au sérum et j'utilise pour le moment le sérum Vino Perfect, qui est un sérum éclat de Caudalie. Je l'ai eu en fait chez Sephora avec un format, voyez. Ouais. Pas possible la voix. Ça fait trop. Ça fait 3 jours que je parle à peine. Ça fait des vacances au Crolet. À part me plaindre, je ne fais rien d'autre. Et donc j'ai un petit peu de mal. Je disais. C'est très bien, c'est un sérum éclat. Ça va être parfait. Parce que franchement, ça m'arrive assez souvent d'être malade. J'ai souvent des sinusites par exemple, mais malade comme ça. Vraiment, l'état grippal, c'est assez rare. Donc, comment vous dire ? Je n'arrête pas de geindre comme un bébé. Donc je mets la dose de sérum. Et je suis bien contente en fait d'avoir eu ce format voyage chez Sephora. Parce que j'avais beaucoup aimé la crème, la crème sorbet que j'ai utilisée tout l'été. Même tout le printemps été. M'a duré assez longtemps quand même. Et ici je l'ai terminée. Et du coup je suis contente de ravoir un petit format et de découvrir le sérum. Une odeur que j'aime beaucoup. La texture est vraiment agréable. On peut quand même masser un peu sur le visage avec... avant que ça ne sèche. C'est pas non plus gras comme une huile, hein. Mais c'est une texture agréable sur le visage. Bon, je ne peux pas encore dire vraiment si ça fait de l'effet au niveau de l'éclat. Mais j'aime plutôt l'aspect que ce sérum donne à ma peau. Bon, je pense que le facteur confort et agréabilité joue beaucoup. Je vais faire des postés de temps en temps parce que... Ensuite, je passe à la crème hydratante avec la crème Hydraphase Intense Légère. Soin réhydratant comblant 24 heures de La Roche-Posay. Que j'ai eu dans le swap que j'ai fait avec Caro de la chaîne Satin Taupe. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici si ça vous intéresse. C'est une crème qui contient de l'acide hyaluronique et ça fait bientôt 15 jours que je l'utilise parce que depuis que je l'ai reçue de Caro, je l'utilise. Je l'aime déjà beaucoup, mais je dois bien vous dire que j'en mets pas mal en fait. Tant pis si ma peau brille, franchement, je dois vous dire que quand j'étais ado, c'était ma hantise, la peau brillante. C'est vrai que j'ai la peau assez grasse, ou du moins j'avais. Et j'étais toujours en train de matifier. Franchement, maintenant, c'est. Recherche de confort avant tout et surtout combat contre la déshydratation, les ridules de déshydratation que j'ai principalement ici, enfin que ici même. Et avec cette crème, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. D'ailleurs, elle me l'a choisie en me disant peut-être une solution contre la déshydratation. Et en fait, vu le froid polaire que nous avons, il s'est arrêté de neiger quand même, mais il neigeait depuis ce matin. On a un froid polaire qui s'abat sur New York, ma peau devient sèche, donc terrible. J'en mets toujours un tout petit peu dans le cou. N'oubliez pas que le cou, c'est tout aussi important que votre visage. Et c'est ça qui vieillit très vite aussi. Parfois même plus vite que votre visage. Et comme le sérum, j'aime beaucoup la sensation de cette crème. Je trouve que on la sent un tout petit peu. Maintenant, elle va pénétrer, mais elle n'est pas imperceptible. Mais elle est très confortable. Et c'est vraiment ce que je recherche. Et voilà, j'ai terminé. Bon, j'avoue, ça c'est ce que je fais au quotidien quand je ne me maquille absolument pas. Parce que je dois bien vous avouer que quand je suis malade, vous savez que je me maquille déjà pas beaucoup au quotidien, mais alors là, encore moins. Donc concrètement, c'est ce que je ferai. Hein. Ça, normalement, c'est le résultat final quand je suis malade. Mais j'avais envie de vous montrer ce que je fais quand, bah, déjà, j'ai envie d'avoir l'air un peu plus en forme. Et je vais pas dire quand on n'a pas le choix, parce qu'on a toujours le choix. On n'est jamais obligé de se maquiller. En 2018, il va falloir que ça rentre dans la tête de tout le monde, je pense. Mais parfois, on a envie quand même d'user des artifices que nous offre le maquillage pour avoir une tête un peu plus réveillée, avoir meilleure mine, tout ça, tout ça. Et ben voilà, on peut avoir un événement, une soirée, un anniversaire, n'importe quoi, le réveillant. Et on peut avoir envie de se maquiller un petit peu tout de même. Alors, c'est ce que je vais faire. Comme toujours,
J'utilise la bébé crème Herborian. Elle est particulièrement adaptée si, comme moi pour le moment, vous avez la peau sèche, qu'elle tire un peu la gueule, hein, faut bien dire ce qu'il y a. Parce qu'elle est hyper confortable. C'est pas une bébé crème qui va faire apparaître vos zones de sécheresse par exemple, parce qu'elle est un peu épaisse. Moi je vous avoue que je fais la totale, c'est rhum, crème et puis bébé crème, mais si vous n'avez pas la peau spécialement sèche, vous pouvez simplement mettre la crème et la bébé crème, ou juste la bébé crème. Je l'ai déjà fait, franchement ça marche tout aussi bien. Elle est tellement épaisse et tellement nourrissante en fait, qu'il n'y a même pas besoin à la limite de mettre des couches en dessous. Bien. Je l'adore déjà quand je suis pas malade, mais alors là, c'est très agréable. Parce que même si elle est pas couvrante à 200%, elle fait une toile de fond vraiment. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle camoufle mes points noirs qui sont de sortie ces derniers jours. Je sais pas si c'est la maladie qui fait ça, mais super. Alors, elle camoufle pas les grosses imperfections. Là, j'ai toujours des cicatrices. Elle va pas les camoufler, mais on voit quand même qu'il y a un petit quelque chose, un petit voile qui vient unifier le teint. Je vais juste prendre mon cheptée pour justement corriger les petites imperfections que j'ai par-ci par-là, mais comme c'est pas du tout la même teinte que ma bébé crème, j'en mets pas trop parce que sinon ça se voit. Alors, si on veut vraiment y aller à fond, on en met là où c'est rouge et irrité. Autant vous dire qu'en deux coups de mouchoir, à mon avis, hein, ça va être parti. C'est jamais, si vous devez faire des photos, juste un petit coup de correcteur avant la photo, ça peut éventuellement faire le job. Et je prends un beauty blender. Je passe à mon arme fatale du quotidien, mais qui va être encore plus fatale aujourd'hui. C'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Je ne m'en passe plus. Je l'adore. Mais alors aujourd'hui, on va en mettre double dose. C'est-à-dire que d'habitude, je mets deux clics pour tout mon visage, ou presque, hein, toutes les zones que je veux illuminer. Là, on va faire la maxi dose. Alors idéalement, je préférerais avoir un produit qui va me faire le teint parfait. Parce que là, concrètement, on voit quand même encore les rougeurs, on voit quand même encore un peu les imperfections. Parce que ni la bébé crème d'Herborian, ni le Shape Tape que je mets en petite touche, parce qu'il est un peu trop épais pour quand je suis malade, ne vont me faire un teint à 100% parfait. Donc vraiment, si vous avez un produit à me conseiller qui soit imperceptible, c'est évidemment le mieux, mais qui soit plutôt discret, mais en même temps qui fait un teint parfait, ça m'intéresse, parce que là, bon, je vais quand même essayer de faire un teint frais, mais il ne sera pas parfait. Et c'est vrai que quand on est malade, on a tendance à avoir le teint vraiment de papier mâché, comme on dit, la vieille expression. Et s'il y a moyen d'avoir le teint plus joli, évidemment, je suis preneuse et je suis sûre qu'il y aura d'autres personnes intéressées. Le coin des yeux, c'est un endroit qui peut être assombri quand on n'est pas bien, plutôt cerné. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal de lumière en dessous de l'œil, dans le coin, à camoufler les rougeurs au niveau du nez. Je pense que ça, ce sont des petites astuces qui pourraient vous permettre d'avoir l'air un petit peu moins malade. J'espère du moins. J'adore ce produit. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Alors aujourd'hui, je ne vais pas poudrer mon teint. Je vais peut-être mettre une lichette, mais vraiment une lichette de poudre sur le front. Mais c'est tout. Vous voyez que j'ai un glow naturel, vu que la bébé crème Herborian n'est pas du tout une bébé crème matifiante. Mais c'est pas grave, parce que avoir le teint glowy, pas gras, mais glowy, ça va donner meilleure mine qu'un teint complètement plâtré, complètement matifié. Et en plus, ça fait paraître un peu plus jeune, donc c'est tout bénef. J'essuie les éventuelles traces de fond de teint, de bébé crème et tout ça, qu'il pourrait y avoir sur la bouche et dans les sourcils. État d'urgence, baume à lèvres, nécessaire. Indispensable. C'est un baume à lèvres EOS qui sent le gingembre, alias le coca. Délicieux. Pour les sourcils, justement, je vais utiliser le Eyebrow Filler Perfecting and Shaping Gel de Catrice, qui est un de mes produits préférés pour les sourcils, que je possède déjà depuis très longtemps. Mais vous vous souvenez, le tube était vide. Et Caro me l'a offert dans notre swap, donc je suis super contente d'avoir à nouveau ce produit que j'aime beaucoup. Je brosserai mes sourcils une deuxième fois quand le produit sera sec, mais juste avec un goupillon cette fois-ci. Je vais passer au bronzer, alors pas de contouring. J'en fais déjà pas d'habitude, mais alors là, je prends juste un pinceau. Là, c'est le Blush Brush de Real Techniques. Et je vais mettre un tout petit peu de matière au niveau du creux des joues, en dessous de la pommette. Mais c'est vraiment pour donner un peu de couleur au visage. Le contouring, c'est quelque chose qui va creuser votre visage bien souvent. Moi, je rajoute juste un peu de bronzer pour éviter l'effet cadavérique. Surtout que la bébé crème Herborian est un petit peu grise, donc ça ne peut faire que du bien. Mais par contre, je ne mets pas de blush aujourd'hui parce que j'ai un peu de rougeur sur les joues. J'ai chaud, j'ai froid, il fait froid dehors, donc la catastrophe, hein, les rougeurs. Big up à tous ceux et toutes celles qui ont des rougeurs. Donc pas de blush et pas d'highlighter parce que le glow est naturel. Donc pour le teint, c'est bon comme ça. Pour les yeux, je vais mettre mon indispensable Long Lasting Stick Eyeshadow en couleur chair.
C'est le numéro 28. Ça, c'est une autre arme fatale quand vous êtes malade, ou fatigué, ou avec les yeux rouges. Le crayon chair en muqueuse, ça réveille l'œil, ça rajoute justement du clair à votre œil. Ça le fait paraître plus blanc, et surtout, ça peut annuler le rouge de la muqueuse. Et on sait que quand on est malade, on a les yeux larmoyants, tout ça, tout ça. Donc, ça fait le job. Je vais mettre un tout petit peu de mascara sur les cils du bas. J'ai brossé mes extensions de cils. C'est presque la fin des haricots, mais pour le moment, ça passe encore. Et je brosse mes sourcils pour les mettre comme je veux. Hop. Et pour enlever l'excédent de produits, s'il y en a. Maintenant, je passe à la dernière étape. Je vais appliquer un crayon à lèvres, mais avec le baume à lèvres toujours par-dessous. Pas de rouge à lèvres mat, pas de rouge à lèvres liquide qui vont dessécher les lèvres plus qu'elles ne le sont déjà. Par contre, un petit peu de couleur, ça peut faire du bien. Encore une fois, c'est si vous en avez envie. Sinon, éventuellement un baume à lèvres coloré, ça peut être sympa aussi pour apporter un peu de couleur au visage. J'ai plutôt tendance à maquiller ma bouche plutôt que les yeux quand je suis malade, parce que j'ai des petits yeux. Franchement, je trouve que ça se voit super fort. Mes yeux ont l'air vides de vie. Ils ont l'air complètement morts. C'est la fatigue et le fait que je suis abattue qui me rendent comme ça. Et du coup, un peu de couleur sur la bouche, ça ne peut pas faire de mal. Ici, je vais utiliser un crayon à lèvres sleek. C'est la teinte Perfect Measure, numéro 999, reçue dans le calendrier de l'Avent. Ça a l'air d'être un beau rose. Voyons voir tout de suite. Voilà, effectivement, c'est un très joli rose. Je pense que c'est un rose qui va à beaucoup de carnations. En tout cas, moi, j'aime beaucoup et je trouve que ça change tout. On passe, certes, d'un teint un peu plus réveillé, mais quand même pas grand-chose, à un make-up. Ça fait tout parce que j'ai rien sur les yeux, sauf mes cils qui sont avec les extensions. Ça change tout parce que ça donne vraiment un petit pop de couleur qui manque quand on est malade. Et voilà, du coup, pour ce maquillage spécial tête dans le... J'espère que ça vous aura plu, mes petites biches. Je me demandais, est-ce que ça vous intéresse que je fasse un de ces quatre une vidéo sur mes astuces anti-maladie? Donc, qu'est-ce que je prends pour contrer la maladie? Quels sont mes petits remèdes de grand-mère, peut-être, ou les trucs naturels ou pas que j'utilise pour aller mieux? N'hésitez pas à me le dire. Et en attendant, si vous avez envie d'avoir des trucs et astuces naturelles pour prévenir ou soigner, je vous invite à aller voir la vidéo de Julie, Friendly Beauty. C'est une fille que j'aime beaucoup et elle a toujours plein de bonnes astuces, plein de bons conseils, et c'est souvent naturel, bio, parfois vegan, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Voilà, c'est un petit partage de fin de vidéo, mais c'est vrai que je pense à ça, j'ai envie de vous partager mes petits conseils anti-Qatar, comme on dirait par chez moi, mais en attendant, voilà, il y a la chaîne de Julie qui peut vous être utile aussi. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi, je vous fais des gros bisous, de loin, mais des bisous quand même, et je vous dis à bientôt. The bubble.